Bonjour les cocos, je suis à Nose dans le 91 thème Noël, loisirs créatifs. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Nous voilà à Nose les cocos, on va faire un petit tour Noël, scrapbooking, loisirs créatifs, voir un peu ce qu'il y a comme arrivage. Donc on se concentre sur ce thème. Je vois des petites boules à neige à 60 centimes. Voilà le petit bonhomme. Hop, on retourne, la neige tombe. Qu'est-ce qu'on a à côté? Je vois un porte-photo. Non, c'est encore une petite boule. Et oui, alors le porte-photo, mais ce n'est pas Noël. Bon, je vous le montre quand même. Donc concentrons-nous sur Noël. Alors le petit chalet 99 centimes. On va rester sur le thème. Il est aimanté, le petit chalet. Cherchons tout ce qui va être thème Noël, loisirs créatifs. Le mug Père Noël 60 centimes. Oh, il y a marqué oh oh oh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bocal. Ah, c'est un bocal avec des tampons. 1,95€. Alors, je vois des étoiles, des sapins, des petits patins. Et je vois deux petites encres. C'est assez mignon. C'est en bois. Et vous avez plein de petits tampons. Alors, des grosses boules. Elles sont à 99 centimes. Vous avez deux modèles au choix. Alors moi, évidemment, j'aime bien les rouges. Alors ça, c'est pas Noël. Et là, on a une petite déco. Là, on va rentrer dans les loisirs créatifs. Je vois là de loin, il y a plein de loisirs créatifs. Alors, des rubans. Il y en a plein. Je vais vous montrer. Il y a des gros modèles, des petits modèles. Ils sont à 75 centimes. Le rouge, Merry Christmas. L'argenté que vous voyez là. Voilà, je vous montre. Donc on a pas mal de modèles. Une petite corde à 60 centimes. On a 5 mètres de corde. Corde dorée, pardon. Je ne sais pas si je vous ai dit dorée. Voilà, on continue. À 60 centimes. Petites étoiles. Hop. Ça, je vous ai déjà montré. 60 centimes. Je voulais faire une petite déco. La petite carte, 60 centimes. Ici, il y a deux modèles. C'est des tissus d'ameublement imprimés, 200 x 40 cm. Ça peut servir de déco. Si on veut décorer à base de pommes de thym, de bois, de nature, des petits sachets. Ils font 150 grammes. On continue dans le bois. On a dans le bois des petits sapins à 79 centimes à emboîter. C'est assez mignon. Ah, très mignon. À 99 centimes avec le petit tiroir où vous pouvez la peindre. Et dans chaque petit tiroir, il y a 6 tiroirs. On glisse un petit cadeau. Donc le sapin emboîté, la petite maison en bois. Dit très sympa. Il y a une partie amovible, 13,5 x 10 x 2,5 cm à 99 centimes. Les poils, 79 centimes. Deux parties. Hein. Regardez, je vais la décorer. Si vous voulez la décorer, il faut acheter des feuilles de papier autocollant ou alors vous pouvez utiliser le système du vernicole avec des serviettes en papier. Alors, les deux feuilles de papier autocollant, elles sont à combien les feuilles? 79 centimes. Vous avez aussi les feuilles de Noël.
les notes de musique, les feuilles de Noël. Pour décorer, vous avez aussi le bandeau qui se forme au support en un, le bandeau qui se forme au support en un clin d'œil. C'est pratique pour décorer les boules. 50 centimes. Voilà le bandeau qui va se coller instantanément sur les boules. Si vous achetez par exemple les boules, les 4 boules sont à 50 centimes. Elles ont un effet ardoise. Eh bien, vous pouvez mettre ça dessus. Et ça s'adapte. Alors, on a ce modèle. On va avoir ce modèle. Est-ce qu'on a d'autres modèles? Alors, vous avez bien sûr des boules plus grosses à 50 centimes. Alors, on a également ce modèle-là, 79 centimes. Là, c'est pour faire des transferts. On continue dans les loisirs. On a également à 75 centimes de pinces bois et feutrine. Différents modèles. Des pinces bois et feutrine petit cœur. Cinquante centimes pince bois pyrogravé si vous voulez faire des loisirs créatifs. À 1,99€ vous avez les pince bois 24 jours pour faire un calendrier de l'Avent. Je continue à vous montrer ce que je trouve. Toujours les petites pince cœur, des embellissements adhésifs à 79 centimes, un petit rouleau à 50 centimes, 4,8 cm x 3 mètres, tout mignon à 50 centimes. On a ce modèle là, celui-ci avec les petits sapins, celui-ci. On va essayer de voir si on en a d'autres. Non, je pense que j'ai fait le tour, les petits modèles. Ah, celui-ci peut-être. Est-ce qu'on a d'autres? Donc, pour les pinces, je vais voir. On a les cabochons adhésifs également, modèle rouge. 79 centimes, il y a 16 cabochons, diamètre 2. Alors, est-ce qu'on a d'autres cabochons? On va chercher. Ils sont assez mignons en rouge. On va en trouver d'autres. Ah, dans les pinces, on n'avait pas vu des pinces en bois, forme de bouton. Pas tellement Noël, mais bon, je vous montre. Celle-ci. Ah, on les avait pas vues, celle-ci. Regardez. On a quand même un petit choix. Quand on fouille, on en trouve. Pour tous ceux qui aiment les loisirs, il y a du choix. Je cherche. Donc, on en trouve de plus en plus, des petites pacotilles. Elles sont à 50 centimes. Alors, des jolies petites pinces en bois Merry Christmas avec le petit renne. Des plus grosses pinces à 50 centimes, les étoiles. Oh, 75 centimes, les jolies petites maisons. Elles sont vraiment sympas ces pinces-là. Celles-ci, je pense que je les ai montrées. Celles-ci, on va fouiller ensemble. Qu'est-ce que je vois? Un photophore, 79 centimes.
Ensuite en bois, 99 centimes, hein, c'est sympa pour accrocher. Celui-ci, il a combien? 50 centimes. Hop, je ne veux pas tenir. On en a trois là. Un paquet de trois à décorer à 50 centimes. C'est très agréable de travailler le bois. On va continuer. Donc ça, c'est pour décorer les boules. Vous avez deux tailles de boules. Ici, on a à 79 centimes. Je décolle les parties correspondantes de la même couleur. Je recouvre les paillettes. Je récupère. C'est joli comme tout. Un ruban, 4,8 x 3 cm, 50 centimes. On a le bleu. On a l'argenté. Qu'est-ce que je vois d'autre dans les rubans? Alors bleu, argenté, vert, pailleté. On a également tout un tas de rubans. 50 centimes. Petit sapin également à décorer, 50 centimes. Pour les amateurs, je vais vous montrer ça. Pour les amateurs et les amatrices du scotch pailleté, pour les amateurs ou les amatrices de travaux manuels, il y a un jaune bac là. Des strass à 79 centimes. Des rubans ici. Alors celui-ci, je crois que je l'ai déjà montré, le gros. Deux pommes de pin, si on veut rester dans une déco naturelle. Hop, je range. 75 centimes, c'est une jolie suspension en bois. Les pinces. On a les petites boîtes. On a la bougie à 75 centimes. À 2,50 €. Qui va s'allumer l'étoile. On a un kit de canevas Papa Noël. À 39 centimes si vous aimez le canevas. Donc c'est tout un tas de loisirs créatifs. Je vais ranger la pomme de pin, les bougies. Je ne sais pas si je vous avais montré parce qu'elles n'étaient pas bien rangées. Elles sont mignonnes. Hein, on a des grandes bougies rouges. Très classe les bougies rouges, j'aime beaucoup, ça fait Noël, ça fait Saint-Valentin, ça fait pas mal de choses. Hop, ça non plus, je ne vais pas montrer, elles sont à 2,99 €. Hein. Celle-ci, celle-ci. Et on a aussi les étoiles. On a à 60 centimes. Les petites étoiles. On a une jolie coupelle. À 60 centimes. Alors on va continuer ensemble. Alors on retrouve du bois. Vous avez un sapin en bois, il a bascule, hop, donc à décorer, les sapins étoiles à bascule, bois décoré sont à 99 centimes. Et vous avez également en 3D, hein, c'est pour faire une boule en 3D, vous voyez, à 59 centimes. Vous avez également
le petit sapin, comme ça. Et vous avez le renne. Ensuite, si ça vous intéresse, il y a des rubans, pas particulièrement déco Noël, mais des rubans. Ils sont à 1,50. Une perforatrice à 1,20. On a le modèle petite anche. Et le modèle Père Noël. 1,20 la perforatrice. Donc là, c'est une boîte à cadeaux avec des petits cœurs. 59 centimes. Donc pour tout ce qui est loisirs créatifs, il y a beaucoup de choix. Perforatrice volante, 5,50. Donc pour ceux qui aiment le craft, oh, je bafouille, j'ai du mal. Il y a du choix. Ici, assortiment de décoration, il y a un set à 4,50. Il y a 48 pièces dedans. Ça vous permettra de faire tout ça. Alors ici, vous avez 3 x 60. C'est un bloc. Je vous montre un peu ce bloc-là. Ce sont des très jolies feuilles. Vraiment, j'aime beaucoup. Sapin, les bonhommes. Il y a combien le bloc? Attendez, bloc 180 feuilles scrap, 30 x 30, 6,99. Il est lourd, hein? Regardez un peu l'épaisseur. Il est vraiment lourd. Hein. C'est vraiment un énorme bloc. Hein. Là, il y a de quoi faire. Hein. Vous avez... Alors là, c'est plutôt pour offrir. Qu'est-ce que je vois d'autre? On retrouve des rubans. Je ne sais pas si je vous ai montré ce ruban à 75 centimes. Alors ça, c'est plutôt pour emballer à 59 centimes, 4 rubans de 10 mètres. Vous avez des sacs cadeaux, 79 centimes à Happy Holidays. Oh, moi, j'aime bien le bleu, là. C'est la Reine des Neiges, hein, j'avais pas vu. Argenté, Reine des Neiges. Attendez, je range la boule de son côté. Vous allez dire que je suis une maniaque, mais non. On a des boules. Un lot de boules. Si vous voulez décorer. Oh, des moules à gâteau. Un pain d'épices. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est lapin crétin. Bon, d'accord. Ça, c'est un bloc, mais plus petit. 20 feuilles. Le plus petit, il est à 3,99. Alors que le gros, il était à 6,99. Alors, on va voir le petit. Ah, c'est joli quand même. Il y en a qui font des superbes créations avec tout ça. Je sais pas si vous en faites les cocos. Et il y en a un autre, Noël écossais. Attendez. Pareil, 3,99. Oh, magnifique renne écossais. On continue. On a les petites serviettes, on a deux petites boîtes différentes. Tous ces articles-là, ils sont à 50 centimes. Petite boule. Voilà, je vous fais un petit tour. Donc, il y a quand même beaucoup de choses pour Noël, pour faire de la création. Voilà les cocos, ben, je vous ai fait un petit tour. Donc, en fait, vous allez tout trouver au milieu, là. Et tout ça, c'est de la création pour les petits artistes. Les petits artistes ont de quoi faire en ce moment chez nous. Voilà, je vous laisse et prenez soin de vous. Au revoir les cocos.